chez vous, bienvenue aux amours, on accueille nos couples du jour. Il y a Ludivine et Philippe, 20 ans de mariage au compteur en Picardie. Laure et Sébastien, c'est Saint-Privat des Vieux, le Languedoc-Roussillon. Et puis Laurie et Alexandre, un mariage en vue, paraît-il, dans le Nord-Pas-de-Calais. Il n'est pas encore midi, mais j'en connais qui en feraient bien leurs 4 heures. L'appétit sans Bruno Guillon. Merci Pascal, merci le public, bonjour, bienvenue sur France 2. On est parti pour les amours, comme chaque matin, avec un plaisir renouvelé chaque jour. À l'idée de vous accompagner avec les trois magnifiques couples de ce matin. Commençons par Laurie et Alexandre. Bonjour. La coutume que j'ai un peu instaurée, j'avoue, c'est de temps en temps avoir quelques photos. Visiblement un couple sportif. Peut-être conviendrait-il d'envisager d'arrêter le canoë. Je vous sens pas super doué sur le canoë. Je sens pas que c'est... Surtout Alexandre, c'est... C'était tendu. C'était un peu tendu, mais vous êtes magnifiques. Vous êtes parfaits, merci. Comme Laure et Sébastien. Et elle déchire la photo en Laponie, c'est ça? Ah, bah oui. Voyage de noces. C'est ça. C'est bien, avec la température, ça permet de calmer un peu les ardeurs. C'est ça. Vous avez croisé le Père Noël ou pas? Oui. Il va bien? Il va très bien. Bon, eh ben, écoutez, on le réattend. Hein, du coup, il repasse maintenant dans 10 mois. Voilà, je suis comme les enfants. On est au mois de février. Il reste 10 mois avant Noël. Ludivine et Philippe, on a du tout petit. Tout petit, c'est ça. Regardez comme ils sont beaux. Oh. Bah, je dis tout petit, vous étiez ado. Oui. Ah oui. Vous aviez quel âge sur cette photo? 14 et 16 ans. D'accord. Ah, vous étiez déjà ensemble à 14 et 16 ans? Ah oui, ça remonte. Ah, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 30 ans. 30 ans? Bravo. Mais alors, vous vous êtes mariés à quel âge? On s'est mariés, on avait 24-25 ans. Regardez, vous êtes tout beau. Oh. Ouais. On va voir si vous vous connaissez bien depuis l'âge de 14 ans. Normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Hein? Normalement. Normalement, ce canapé-là vous attend pour la demi-heure. On va voir ça tout de suite avec la première manche. Philippe, je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais il y a un petit délire cadmérade quand même physiquement. Complètement, ça, oui. On vous l'a déjà dit ou pas? Sans arrêt. C'est vrai? Tout le temps. Des fois, je suis au feu rouge et il y a des dames qui s'arrêtent, qui me font signe. C'est génial. Et dis, ils ont encore vu cadmérade, voilà. Mais est-ce que vous en profitez? Parce que moi, je sais que je ressemble à la perfection à Brad Pitt. Ouais. Et j'ai ce... J'ai ce problème, évidemment, dans la vie quotidienne. Ce qui est gentil, c'est que dans le public, d'habitude, on me siffle, ils en n'importe quoi. Les gens, ah ouais, peut-être. J'ai l'impression. Non, mais... On a la FFM dans le public, la Fédération Française des Myopes. Ils ne voient pas à plus de 2 mètres. Vous vous en êtes déjà servi, genre pour avoir une table au resto? Non, parce que moi je trouve pas que je ressemble à la caméra. Mais si les gens vous le disent. Lui me ressemble peut-être un petit peu. Ah mais d'accord. Mais moi, non. Pas... Bon, Cad, si tu nous regardes, si vraiment, pour Bienvenue chez les Ch'tis 2, il y a besoin d'une doublure. Bon. Si je trouve un sosie de Danny Boone d'ici là, je vous tiens au courant, d'accord, pour refaire le duo. Philippe, dans quel domaine présentez-vous quelques lacunes selon elle? Alors moi j'ai un gros problème de temporalité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il y a les dates, mais il y a les années. Je suis capable d'envoyer bonne année 2016, alors qu'on va passer en 2018. Alors, ou 2019, d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'est ça. On va passer en 2020. Ouais. Ah, déjà. Au mois de février. Okay. Ça doit être embêtant. Pour votre travail, vous faites quoi comme métier? Vous êtes consultant? Oui, c'est ça. Si on vous dit on a rendez-vous demain à 10h, que vous vous pointez la semaine prochaine... Ça va encore. Ça va. Mais c'est les dates en commun avec votre chérie, plutôt? Non, pas non plus. C'est les dates. Oui, c'est ça. D'accord. C'est pas forcément une date. Je confonds le mois de novembre et le mois d'octobre. Enfin, oui. Et tout le temps. Vous avez un souci dès qu'on vous laisse le choix dans la date. Voilà, c'est ça. Bien. Tout à fait. Eh bien, c'est noté. Sébastien, même question pour vous. Alors, moi, je vais plutôt dire que le point à améliorer, c'est que je suis vraiment économe. Paradin, vraiment économe. Alors c'est quoi? Parce que souvent, non. Non mais, vous avez remarqué, on a souvent ce genre de candidat, je suis paradin, je suis économe. C'est quoi la frontière? Non. Alors là, il y a les radins, là, il y a les économes. Voilà, à quel moment on s'arrête de ce côté-là? Non. Je contrôle tout, je calcule tout, de oui. toute manière. Mais il faut tout contrôler. Mais si, par exemple, hop, ça se passe bien entre nous et qu'on se dit on va se faire un resto, est-ce qu'à la fin du repas, oui, C'est possible, mais il va falloir...
que ça se passe vraiment bien au repas. Hein. D'accord. Ouais. D'accord. Il est radin. Donc, c'est un peu ce sur quoi elle a pleuré. Ouais. Votre côté économe. Nous, on marque vraiment économe, comme ça s'écrit R-A-D-I-N. Ou P-I-N-C-E, ça marche aussi, aussi Pascal. Oui. Alexandre. Alors, moi, je pense que ce serait sur la communication. Parce que c'est quelque chose qu'elle me reproche assez souvent. C'est quand il y a un petit souci ou quelque chose comme ça, moi, je ne vais pas forcément... Je vais laisser couler, voilà. Donc c'est plus dans la communication. Je suis de nature un peu cool et voilà. Je pense que quand vous faites une connerie, vous n'allez pas vous dénoncer. Je fais jamais de conneries. Sébastien, deuxième question. Imaginez votre femme vous annonce qu'elle a décidé de se présenter aux prochaines élections municipales. Visiblement, elle a déjà des électeurs, c'est plutôt une bonne chose. Elle souhaite en effet devenir la future mairesse de votre ville. Votre première pensée, ça va être pour la commune, qui connaîtra certainement de grandes améliorations, ou pour votre femme, supportera-t-elle toute cette pression, ou pour vous, eh ben, qui va laver mes caleçons? Non, pour la commune. Pour la commune. Pour la commune, oui, exactement. Très. La commune de Saint-Privat-les-Vieux. C'est ça, dans le Gard. Dans le Gard. Où ça par rapport à Nîmes? Non, c'est plus près d'Alès que Nîmes. Voilà, à côté d'Alès, c'est exactement. Loin, c'est limite de Balgoirès, c'est quoi là? Voilà, c'est ça. C'est le nord. Oui, enfin, c'est le nord. Vous dites le là. Nord du Gard. Vous êtes en train de dire ça à quelqu'un qui lise les Lannois dans le Nord-Pas-de-Calais. Le nord du Gard, au niveau température, on n'est même. C'est pas le même fuseau, hein, quand même. Alexandre, pour la commune, pour votre femme ou pour vous? Pour ma femme. Pour votre femme? Ouais, vraiment. Et Philippe, alors? La commune. Pour la commune? De grandes améliorations grâce elle à elle? Elle va faire des choses. D'accord. Ça va être bien. Elle fait quoi comme métier? Elle est hôtesse de caisse. Oui. Très bien. Et ben, ça. Comme ça, elle connaîtra déjà beaucoup de monde, puisque ça fait partie des gens à qui on parle le plus, les hôtesses de caisse. Donc, elle peut être élue. Pensez-y pour après. Alexandre, troisième question. Généralement, lorsque votre belle-mère vous appelle... Oui, on va aborder le sujet des belles doches. C'est qu'elle a besoin de vous et de vos biscottos. C'est pour vous raconter les derniers ragots. J'ai téléphoné à Jean-Claude. Jean-Claude m'a dit qu'il ne l'avait jamais invité à dîner. Ça ne pouvait pas être possible que ce soit elle qui soit sur le plateau. Pas sympa d'avoir récupéré le son de ma belle-mère pour illustrer. Ou c'est qu'elle s'est trompée de numéro. Déjà, comment s'appelle belle-maman? Elle s'appelle Myriam. Myriam. Ah, elle est dans le public, Mimi. Elle est où, Myriam? Alors, amis téléspectateurs, comprenez du coup que la réponse d'Alexandre peut être un petit peu tronquée. Donc, il y aura la version que sa belle-mère va entendre. Et ensuite, je me cacherai devant son visage pour avoir la version officielle. Alors, Alexandre, donc... Par déduction. Oui. Je précise. Hein, par déduction, je dirais la première, c'était les biscottos. Elle a besoin de vous et de vos biscottos. Elle est sympa. Ouais, ça va. Ça se passe bien. Non, pas de problème. Pas constamment à la maison, genre, chérie, machin. On habite à une heure, donc. Ah, bon, ça va, après. Philippe, biscotto, ragot ou erreur de numéro? Alors, ragot, non. Non. Erreur de numéro, non plus. Non. Donc, biscotto. Donc, biscotto. Voilà. Elle s'appelle comment? Erika. Elle est sympa, ça? Adorable, je l'embrasse. Eh ben, elle est fait bien. Sébastien? Pareillement, les biscottos. Les biscottos? Oui, on papa, s'entend belle très maman. Bien. Oui, on s'entend très bien. Oui, on s'entend très bien. Comment ça s'appelle? Agnès. Agnès. Voilà. Eh bien, nous embrassons vos belles mamans et leurs filles reviennent maintenant pour répondre aux mêmes questions. Laurie, comptez avec moi sur vos doigts en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doudous vraiment pour dormir? 7. Ouais. Il était gentil. Ah, vous en avez plus que ça? Je pense, ouais. Mais combien de doudous vous avez? En fait, c'est tous des petits mini coussins depuis que je suis petite. Donc voilà, j'ai au moins 7 doudous plus mon homme, donc ça fait 8. Gros doudou. Mais quand vous découchez, si vous allez dormir à l'hôtel, si vous faites J'en un voyage. Prends 3. Ah, quand même? Ouais. D'accord. Et lesquels, alors, les trois doudous? Alors, dans le top 3 des doudous, c'est qui? Un câlin des pieds. Très bien. Obligatoire. Ouais. Le gros câlin pour la tête. Et un pour la bouche.
Voilà. Au et moins Alexandre, il fait quoi du coup après, bah, il dort par terre, non? Laurie, selon vous, dans quel domaine votre chéri présente-t-il quelques lacunes? Alors, je dirais qu'il est tête en l'air. Ah. Il oublie tout. Enfin, en tout cas, ce que moi. Vous n'oubliez pas. Et ça rentre et ça ressort. Mais le pire, c'est que je le vois. Hein. Je vois les mots qui traversent. Ah, d'accord. Qui passent dans une voilà, oreille et c'est d'accord. Ça, ouais. Donc, je dirais tête en l'air. Tête en l'air, Alexandre. On n'y est pas vraiment. Non. Oh. Ah ouais. Qui est un trop peu cool. Trop cool. Ouais. Ça aussi. Limite laxiste sur certaines c'est choses. Quoi, ouais. Mais pas trop la pression. Quoi. Non, non, bah non. Ça, faut aussi, laisser aller. Ouais, j'avoue. Laure. Je dirais qu'il est nul en déco. Ah. Ouais, il est nul. Donc en fait, il ne fait pas l'effort. Ouais. Au moins, comme ça, c'est moi qui le gère et on ne se dispute pas. Ah, c'est-à-dire qu'il peut faire tout et n'importe quoi dans ah bah, il ne fait pas parce que sinon, c'est la catastrophe. D'accord. Voilà, comme ça, je m'en occupe, c'est bon. Sébastien, eh ben ça commence pas mal cette c'est... histoire. Oh ah, c'est vrai, il n'est pas économe, il est radin, mais... Ah alors, parce que le gars nous a quand même fait une dissertation tout à l'heure de « Non, je ne suis pas radin, je suis économe ». Mais c'est ce que disait radin, on est oui. D'accord. Oh, d'accord. Voilà. Ah, bah, nous, c'est ce qu'on a direct. Ah oui, il est un peu... Fais attention, quoi, il calcule. Oui. Trop, voilà. Hein, sans doute. Voilà, il passe beaucoup de temps. C'est bien le problème. Ça commence bien. Ça, je vous confirme. Ludivine. Moi, je dirais tout ce qui est rapport au temps. Lire l'heure, connaître la date. C'est pas possible. C'est, non. Il a du mal. Non, ouais. Philippe, bingo. C'est la bonne réponse. Et sinon, et Ludivine, il est sympa dans la vie, Cadmerade, ou pas? Ouais. Ça va? C'est cool, c'est cool. Vos copines, elles vous le disent aussi ou pas? Ah oui, 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 beaucoup de monde nous le disent. Oui. Et est-ce que vous, vous le dites aussi des fois? Ouais, je suis avec Cadmerade. Non, non, on s'en sert. Mais vous devriez, je vous bah, jure. Oui, c'est vrai. Vraiment, ouais. Pensez-y, pensez-y. Deuxième question, Laure. Imaginez, vous annoncez à votre chérie que vous avez décidé de vous présenter aux prochaines élections municipales. Vous souhaitez en effet devenir la future mairesse de votre ville. La première pensée de votre compagnon, elle va être pour vous. Laure, est-ce que vous allez supporter la pression? Pour la commune, qui connaîtra certainement de grandes améliorations, ou pour lui-même? Alors, qui est-ce qui va laver mes caleçons, du coup? Pour lui-même, je dirais. Pour lui-même? Ouais. Alors, il est radin et puis un peu auto-centré. Voilà, c'est vrai. Eh bien, super. Et il va être content de venir. Oui, oui, c'est exactement. Ouais. Ça sent votre journée. Hein. Oh quand pour même, la commune? Mais non. Mais si. Mais non. Bah, au niveau de la déco, déjà. Ah ben non, ouais. Le choix des réverbères. Et des bancs. Ludivine? Pour moi? Pour vous? Oui. Est-ce que je saurais gérer tout ça? Est-ce que vous allez savoir gérer la pression? Ouais. Philippe? Je me suis dit qu'il ferait de grandes choses. Ah oui. Grande chose pour la commune, il s'était enflammé, il voyait déjà les avantages d'être avec la maire de la ville, pas payer le stationnement et tout ça, enfin, il était... Et alors vous, Laurie? Alors moi, je dirais pour la commune. Pour la commune? Ouais. Oui. Pourquoi c'est Alexandre, vous pensez qu'elle ne saurait pas gérer la pression? En fait, je l'avoue, enfin, c'est pas son domaine, en fait, tout ça. Donc, pareil, par déduction, je me suis dit... Plus. Ouais. Puis d'accord. Comme je suis quelqu'un de très très attentionné, tout ça, les câlins. Oh. Lol. Il est là le doudou. Il est là le doudou. Alors pas des pieds, pas du menton, pas du reste du. Enfin, il doudou d'un truc. C'est lui du bout du lit. Je cherche encore. Ludivine, troisième question. Généralement, lorsque votre maman appelle Philippe, c'est pour lui raconter les derniers ragots. C'est parce qu'elle a besoin de lui et de ses biscottos, ou c'est parce qu'elle s'est trompée de numéro? Lui raconter les derniers ragots. Dernier ragot. Il s'entend bien avec belle-maman? Oui. Oui, ça oui. Va. Philippe, on n'est pas sur la même longueur, d'onde. Besoin de ses biscottos. Laurie, il s'entend bien avec belle-maman? Oui. 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 Alors du coup? Alors j'irai pour les biscottos. Pour les biscottos, Alexandre. Yeah. Et ça match. Laure. Je dirais pareil pour les biscottos. Biscottos de Sébastien, et c'est une bonne réponse. Ce qui nous donne pour l'instant au niveau du score, 5 pour les bleus, 5 pour les jaunes et 10 pour les rouges en tête. Deuxième manche dans quelques instants avec vous, mesdames. Pour l'instant, dans quelle ville
allez-vous voir les castings des prochains amours? Ben, la réponse avec Pascal. Bien oui Bruno, on sera à Paris et bien sûr la région parisienne dans son ensemble, et là ce sera le 2 mars. Et puis si vous êtes du côté d'Orléans et d'Amiens, rendez-vous le 4 mars pour les castings des amours. Vous allez vous inscrire sur notre site France.tv, on vous attend. Ludivine, vous avez rencontré Philippe quand vous aviez 14 ans? Oui. Mais donc ça veut dire que vous avez que lui comme chéri? Oui, c'est mon amoureux. C'est votre amoureux? Ouais. Vous êtes rencontrés comment? On habitait dans la même rue. Ouais. On allait... Voisin donc? Oui, quasiment voisin. Et puis on allait à l'école de musique ensemble, on faisait le trajet ensemble. Et sur le chemin de l'école? Pas de l'école, non, parce qu'on a... Bon, on a un petit écart, on a 2 ans d'écart. Et on n'était pas forcément dans les mêmes classes. Donc pas sur la route de l'école, mais le samedi pour aller à la musique. Ouais. Ah mmh. Ouais. Et là, hop, c'est... qui a fait le premier pas? C'est lui. C'est lui? Ouais. Il m'a dit, je t'aime. Voilà. Oh, c'est mignon. Voilà, qu'est-ce que... Et oui. Voilà. Et oui. C'est beau, l'amour. C'est vrai. Et il n'y a pas eu d'autres garçons dans votre vie, etc. C'était... Non. Et 3 enfants. Et 3 enfants. Qui ont quel âge? 20 ans, 18 ans et 11 ans. D'accord. Bravo. On y va, si vous le voulez bien, chère Ludivine, avec la première question. Selon vous, une femme comblée, c'est une femme qui a... Mais qui a quoi? Je dirais qu'il y a une jolie maison. D'accord. Le home sweet home. Home sweet voilà, home, ouais. Comme ouais. le disent mmh. les Chinois. Ouais. Surtout que vous, c'est toujours le même home sweet home. Oh, bien, bravo. Merci. Bravo, évidemment. Ce serait parfait si Zazie ne l'avait pas fait dans un de ses albums. C'est pas vrai. Mais je vous l'achète quand même. Elle copie mes textes. Eh ben dis donc. Laure. Moi, je dirais si je peux voyager. Voilà. Ah. Je voyage, je suis l'équipe de France. Donc un coup au Brésil, un coup en Russie. Mais non. L'équipe de France de foot. Ouais. Ouais. Donc là, vous les avez suivis l'année dernière pour... la Russie. Pour la Russie. Vous, ouais. vous avez vu quel match? On a vu France-Pérou. Oui. Donc voilà, et puis on en a profité pour aller voir Moscou, Saint-Pétersbourg. Uh-huh. Et avant, il y a 4 ans, on avait fait le Brésil. D'accord. Voilà. Donc c'est génial. Ouais. Vous avez eu l'occasion un peu de rencontrer les joueurs de, Non. De on faire des photos, même de loin? Voilà, de loin. Après, on est fan de l'équipe de France. Donc on a la c'est qui votre préféré? Giroud. Et moi, j'aime beaucoup Giroud aussi. Voilà. Il a été beaucoup moqué non, durant la Coupe du Monde. Rien, on et si, et s'il n'est pas là, honnêtement, ouais, absolument. Ouais. Laurie, de votre côté? Alors moi, je dirais de l'argent, mm-hmm. surtout pour du shopping. Ah d'accord. Ouais. Une femme comblée, c'est une femme qui a de l'argent. Un gros dressing, plein de vêtements, voilà. Bon, bah heureusement que vous n'êtes pas avec le mec de l'heure, hein, vu qu'il est un peu... il est un peu pareil. Ah, il est un peu pareil aussi. Ah, Alexandre, il aime bien compter. Ouais. Comment vous vous êtes rencontré avec Alexandre? Alors, en fait, je passais un casting pour entrer dans un groupe, enfin, un orchestre de variété de Dunkerque. Oui. Et puis, il est venu me chercher, parce que c'est un coin paumé, donc il est venu me chercher sur la place. Et là, il arrive en moto, il dans a enlevé son gendarme. Casque. Non. Vraiment, dans un coin paumé, hein. Ouais. C'est Garscapel, donc déjà, d'accord. rien que le nom. Et puis, voilà, il a enlevé son casque de moto. J'étais et déjà, là, hop voilà, là. Coup de cœur. Et vous, du coup, Laure, vous l'avez rencontré comment, Sébastien? Alors, nous, on habite dans la même rue aussi. Ah bah, évidemment. Donc, en fait, ça s'est fait petit à petit. On était au lycée, donc voilà. On était très copains, on promenait le soir et tout, jusqu'au jour où on est allé au cinéma, à la sortie de cinéma. Ah bah, voilà. Le cinéma, c'est un grand classique. Ça fait tout, ouais. Et évidemment. Vous alliez voir quel film? Taxi 3. Taxi 3. C'est pas super romantique, mais... oui, mais bon. Ça marche. L'essentiel, c'est qu'à la fin... Il emballe. Alors, Laure, deuxième question. Vous avez installé une barre de pole dance dans la chambre et ce soir, vous improvisez un show devant votre public. Mais malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à décoller du sol. La barre vacille et c'est la chute. Il est mort de rire. Oui, effectivement. Vous êtes mort de rire, vous aussi, car comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer. Ou vous allez être vexé, bah vas-y, fais-le, puis on verra si tu fais le malin. Ou vous allez être lucide. Ouais, bah c'est pas moi, c'est mon popotin. Je vais être morte de rire. Vous êtes morte de ouais, rire morte aussi. De rire, oui. Pole dance, on rigole beaucoup sur la pole dance, mais je peux vous dire que c'est ah, un c'est exercice ça, ouais, ouais. extrêmement physique. Il y a des cours de pole dance. Ouais. Laurie. Moi, je suis morte de rire aussi. Morte de rire. Ludivine. Morte de rire. Morte de rire, c'est noté. La troisième question, c'est la question bonus. Oli, madame,
vous êtes de celles qui s'abandonnent, qui en font des tonnes ou qui jouent les nonnes. Et je ne parle pas du chanteur des Beatles. Alors moi, ce serait je m'abandonne. Vous vous abandonnez. Mm. Ludivine. Je m'abandonne. Vous vous abandonnez. Je m'abandonne aussi. Vous vous abandonnez. Oui. Eh bien, voici trois gars qui vont vous adopter à nouveau. Vos chéris reviennent maintenant. Alexandre. Alexandre, selon Laurie, une femme comblée, c'est une femme qui a... Et qui a quoi? Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout matérialiste. Mm-hmm. Je pense que tout ça, c'est au second plan. D'accord. Donc, je dirais la belle maison. Une maison. La belle maison. La belle maison. C'est fou. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est beau dans les couples. C'est quand les gens se connaissent à la perfection. ça, et ben moi, vous savez quoi, ça va faire un peu plus d'un an maintenant que je fais l'émission. Et ben ça m'émeut, moi, vous voyez. Parce que la première chose que vous dites, c'est quelqu'un qui n'est pas matérialiste. Et c'est vrai que tout de suite, on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ben moi ça me met la larme à l'œil, hein, vraiment. Hein. L'argent direct. Elle nous a dit, j'avais pas fini la question. L'argent. Pour c'est le ça shopping. Qui est beau. Oui, pour le c'est shopping. Ça qui est beau. Vous n'avez toujours pas fini de vous découvrir. Non, c'est vrai. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 6 ans. Ouais, vous avez la vie devant voilà, vous. C'est ça. Et l'argent aussi à sa ouais. Du coup. De vous Sébastien. Découvrir et d'être à découvert, pardon. Il n'y a pas de souci. Sébastien. Moi, je dirais surtout les petits séjours, voilà, petits voyages courts. Les voyages. Ouais, vous voulez une précision, Pascal, ou pas? Non, allez, on va l'accorder. Oui. On va l'accorder. C'est pas forcément c'est court. C'est pas anodin, un voyage pour aller soutenir l'équipe de France. Bravo. Au revoir. Voilà. Vous pensez à quel petit voyage, vous? Parce que vous dites petit voyage court. Mais ceux qui sont moins chers. C'est ça, ouais. Eh oui. Ça pourra rien. Non, en Russie, il faut quand même le payer, le voyage. Hein. C'est une passion avant tout. Hein. Ouais. La passion, il n'y a pas d'argent. Mais bien sûr. C'est bien pour l'équipe de France. Moi, je les ai vus, les aficionados. Ça fait plaisir d'aller défendre nos couleurs à l'étranger. Ils en ont besoin. Philippe. Alors, elle a des goûts tout simples. Une petite voiture, pas chère, voilà, mais avec toutes les options qui existent. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment une femme comblée. Voilà. Ça tient un peu de choses, hein, quand même. C'est fou. Qui chauffe, hein. Voilà, tout, tout. Ah, le siège qui chauffe. Toutes les options. Mais une voiture toute simple. Mais toute simple, d'accord, basique. Très bien. Voilà. Simple, basique, Orelsan, voilà. Si tu nous regardes. Ludivine, elle est partie sur... Ah. Oh. Jolie maison. Elle est comblée si elle peut se promener dans les combles. Ben oui, c'est ça. Sébastien, deuxième question. Votre chérie a installé une barre de pole dance dans la chambre et ce soir, elle improvise un show devant vous. Mais malgré ses efforts, elle n'arrive pas à décoller du sol. La barre vacille et c'est la chute. Il est déjà mort de rire en pensant à l'image. Eh bien, justement, vous êtes mort de rire. Mais votre femme, elle va être vexée et elle vous dit « Vas-y, fais-le, on verra si t'es plus malin ». Ou alors, elle est MDR, elle aussi, mort de rire. Comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer. Ou alors elle est lucide. Ben, c'est pas moi, c'est mon popotin qui... Vexé, mort de rire ou lucide? Bah, sur le coup... lucide. Il fait mal celui-là alors, hein, je peux vous dire. Là, celui-là... Alors attention, hein, on va garder la face parce qu'on est à la télévision et tout ça, mais je peux vous dire que je peux dans les genoux. Franchement, l'important c'est de participer. Oui. Pour toi, oui. Oui, police secours, est-ce qu'on peut avoir une petite intervention sur le plateau, s'il vous plaît? Philippe. Alors, Pierre de Coubertin, ouais. Peu importe le triomphe, ce qui compte, c'est le combat. C'est beau. C'est aussi, du c'est Pierre, aussi de Pierre de Coubertin. Ouais. Donc, MDRL aussi, Ludivine. Oui, oui. L'important, c'est de participer. Oui, c'est ça. Ludivine. Oui. Ouais. Alexandre. Je pense ne pas hésiter, mais MDR. Morte de rire, Laurie, et ça match. Ce qui, au niveau des scores, nous donne une quasi-égalité entre tous. On a 10 pour les bleus, 15 pour les jaunes, 15 pour les rouges. C'est la question bonus qui va jouer.
La question bonus va définir le couple gagnant de ce matin. Alexandre, au lit. Votre femme est de celle qui s'abandonne, qui joue les nonnes ou qui en font des tonnes? Je vais prendre les tonnes. Elle en fait des tonnes. Laurie. J'en fais des tonnes. Yeah. Je ne sais pas après comment ça se C'est à moi. Eh oui, c'est à vous. Vous pouvez juste répéter les positions. Bien sûr. Qui s'abandonne, qui joue les nonnes ou qui en font des tonnes? Qui s'abandonne. Qui s'abandonne, Laure. Vous prenez la tête, ça va dépendre de Philippe. Que c'est une femme abandonnée. Ludivine s'abandonne. Et c'est une bonne réponse. Nous avons donc une égalité. 30 pour les rouges, 30 pour les jaunes. En début d'émission, juste avant le générique, on vous a demandé de faire une estimation de votre score à ce moment précis de la partie. Vous l'avez noté sur un carton. Laure et Ludivine, je vous demande de me montrer ce carton que l'on voit le score. 40 pronostiqués par les jaunes, 35 pronostiqués par les rouges. Philippe, Ludivine, welcome. Vous êtes les amours du jour. Laurie, Alexandre, Laure, Sébastien, vous ne repartez pas les mains vides, regardez. Lesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Philippe et Ludivine, on y va pour votre finale, est-ce que vous êtes prêts? Ludivine, Philippe connaît-il top l'activité qui vous détend le plus? Oui. Les massages. Votre dessin animé préféré? Oui. Maya l'abeille. Ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui. Ce qu'elle boit, elle, oui. Café. La couleur habituelle de votre rouge à lèvres? Oui. Un rouge rose, oui. Ouais, top. Là, c'était bien le sien, pas le vôtre. Hein. Vous avez bien compris. Oui, le moi, c'est autre chose. Voilà, c'est, là, on parle que de Ludivine. Moi, je suis plus gothique. Oui, non, mais après, hey, chacun sa vie privée. Vous savez, nous, on est tolérants. Hein. Les amours en 2019, c'est la tolérance. Voilà. Ludivine, Philippe connaît-il top l'odeur que vous détestez le plus? Non. La date de naissance de votre premier enfant? Oui. Les dates Je veux passer. Le premier job que vous avez exercé? Oui. Le même que... Oui, s'occuper des enfants dans les... D'accord. Le sportif que vous admirez le plus? Non. Votre taille de jupe? Non. La race de chien que vous préférez? Oui. Le bulldog. Le prénom de votre plus ancienne copine? Oui. Oui, mais là, Philippe, il y a de l'hésitation à un moment. Il y a eu un petit peu d'hésitation. Ouais. Mais vous avez quand même un cadeau. Regardez. Bien sûr, Ludivine et Philippe, un séjour inoubliable à l'hôtel Spa Le Splendide, groupe Vacances Bleues. Laissez-vous transporter par cet ancien palace Art déco entièrement rénové à Dax et son spa innovant. Votre premier enfant qui regarde et dont vous ne vous souvenez plus de la date de naissance. Ben Victor, ben oui, mais... Victor, désolé, pour le stress. C'est le stress. C'est merci beaucoup d'être venu. Merci Ludivine. Et merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, c'est la famille, les amours tous les matins, 11h20 sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous.